Yo tout le monde, c'est OneChat, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo test d'un nouveau produit que j'ai reçu. Donc, c'est le nouveau Oduman Inis V2. J'ai bien dit V2, donc le nouveau système de chauffe de chez Oduman. Donc, voilà, avec la petite boîte qui est là. Donc, j'ai commandé ce système de chauffe sur le site de chichaextra.fr. Voilà, donc vraiment un site vraiment pas mal consacré à tout ce qui est chicha et accessoires. Vraiment un site, je l'ai reçu en 48 heures. Franchement, c'est vraiment pas mal. Tout ce qui est paiement, PayPal, tout ça, c'est tout est sécurisé de A à Z. Franchement, c'est vraiment cool. Donc, si vous voulez aller checker, les gars, n'hésitez pas. Je mettrai le lien en description. Et en plus, vous avez un code promo de 10, moins 10% des 50 euros d'achat avec le code YOHANN. Donc, Yohan, mais sans le A, 95 13. Donc, voilà. Là, vous avez le petit code promo, l'équipe, si vous voulez moins 10% des 50 euros d'achat. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Donc, franchement, ce site vraiment top, l'équipe. En plus, dès que vous faites une commande dans votre colis, vous avez un petit cadeau surprise. Donc, moi, j'ai reçu un briquet avec j'ai reçu quoi? J'ai reçu des échantillons avec du thé Lipton en fait, pour boire un petit thé avec sa chicha. C'est toujours kiffant. Ouais, j'ai reçu du thé avec un petit briquet. Franchement, ça fait toujours plaisir. Donc je vais vous parler de ce nouveau système de chauffe que j'ai reçu. Donc c'est le Oduman Inis V2. Donc là, la chaîne est en train de chauffer. Donc il reste encore quelques minutes avant de pouvoir tirer les premières barres. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser chauffer la chicha. On va se retrouver tout de suite pour vous présenter ce produit. A tout de suite. Donc au niveau du Inis, donc c'est l'Inis version 2. Donc vendu dans sa petite boîte Oduman, franchement assez belle, assez stylée. Moi je kiffe, toute petite, elle prend pas de place, ça c'est cool. Voilà, petite boîte en carton basique. Avec quoi? Avec un petit document de chez Oduman. Alors, il vous explique ouais comment préparer ça, comment installer le système de chauffe. Rien de fou. Donc c'est la version V2. Donc il y avait une V1 de ce système de chauffe, donc de chez Oduman. Il avait beaucoup de problèmes avant. J'avais entendu parler comme quoi que les charbons s'éteignaient dans le système de chauffe. Bref, en gros, que ça fumait pas de ça. Et du coup, c'est pour ça que je ne m'étais pas procuré. Mais maintenant, ils ont fait la version V2, donc ils ont amélioré ça. Donc, ils ont mis des petits piquets sur le bas du système de chauffe pour que les charbons soient relevés et pour pas qu'ils s'éteignent. Tous les charbons peuvent rentrer. Moi, là, je suis sur des 26 mm de chez 320. Donc, j'ai fait un test dessus. Si vous voulez le voir, les gars, c'est sur la chaîne. Et honnêtement, les charbons ne s'éteignent vraiment pas du tout. On reste toujours allumé pendant toute la session. Je suis choqué. Honnêtement, je suis choqué. Donc, le prix du système de chauffe, il est à 29 euros. Donc, si vous voulez vous procurer, les gars, je vous mets le lien en description. Vous avez le petit code promo avec moins 10% sur le site de Chicha Extra. Donc honnêtement, franchement, personnellement, je kiffe. Donc voilà, personnellement, je kiffe. Même la coupelle, on peut le fermer. Et quand on le ferme, par contre, le système de chauffe ne respire pas. Donc il n'y a pas d'air qui se dégage du système de chauffe. Donc ce que je vous conseille, c'est de le laisser entrouvert. Personnellement, c'est ce que je fais tout le temps. Même quand je me mets sur Kaalut, je le laissais à moitié ouvert. Comme ça permet de respirer un petit peu. On va dire ça comme ça. Après, ce qui est cool, comme je l'ai dit, il est assez gros, assez large, du coup vous pouvez mettre tout type de charbon, parce que le bon je kiffe, vous c'est pas comme sur Kaalut style, je vous parle des premiers Kaalut, puisque à l'heure d'aujourd'hui il y a le Kaalut de plus que je n'ai pas encore testé, mais je vous parle des Kaalut Lotus normaux, les anciens. Personnellement, quand vous voulez fumer sur des cubes, vous devez mettre 3 charbons, donc il y en a, vous en mettez 2 et un que vous coupez en 2, et vous n'allez pas faire ça, les 3 charbons rentrent nickel. Après la chauffe, dès qu'ils sont vraiment bien chauffés, il y a tout qui rentre, franchement c'est super bien. Donc au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Pour 29 euros, franchement, c'est super propre. Vraiment une très très bonne qualité pour moi. Personnellement, j'ai aucun défaut apparent. Super propre, il coulisse vraiment super bien. Au niveau de la coupelle, franchement, le système pour réguler la chauffe, c'est vraiment ouf. Vraiment, vous fermez d'un tout petit peu. Franchement, pour ceux qui aiment les grosses chauffes, et ben là, vous êtes servi. Franchement, il garde vraiment bien la chauffe des charbons. C'est super top. Votre session peut durer super longtemps selon comment vous la préparez. Perso, je tiens 1h15, 1h20, j'ai fait le test tout à l'heure, je crois c'était cet après-midi, j'ai fumé pendant 1h15, quelque chose comme ça. Franchement, c'est vraiment top. De base, moi qui est un fumeur qui fume sur Kaalut, là, il n'y a rien à dire. J'ai peut-être même laissé le Kaalut de côté pour rester à fumer sur ce système de chauffe. Franchement, c'est vraiment top. Le fait qu'on peut mettre vraiment 3 cubes normales dans le système de chauffe, ça rentre nickel, c'est super top. Le fait qu'il garde la chauffe vraiment super longtemps, c'est cool. Le fait que les charbons ne s'éteignent plus, franchement, c'est un super bon système de chauffe, les gars. Je vous le conseille. Je vous mets le lien en description, en tout cas.
Je pense que j'ai fait le tour de ce nouveau système de chauffe. En tout cas, les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner, les gars, ça me ferait super plaisir. On est bientôt à 10 000 abonnés. C'était Yohan Chicha. Allez, bye tout le monde.